Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Parfo pour un nouvel épisode de Crazy Machine 3 accompagné de FoxDie bien sûr. Salut, comment allez-vous? Bah ils peuvent pas te répondre. Ah bah et puis, bonjour. Ils s'y répondent jamais dans les commentaires. Ouais. Donc non. Ils sont silencieux, tu sais. Et toi comment vas-tu? Écoute, bah moi ça va à peu près, surtout quand je me dis que Fox, as-tu toujours rêvé de le faire en apesanteur? En apesanteur. Un apesanteur, un fichu vieux taxi, hein, le moteur me lâche alors que j'ai rendez-vous urgent avec une jolie haltérophile dans un univers proche. Donnez un coup de gant de boxe dans ce taxi pour que pour le faire fonctionner à nouveau. C'est facile ça. Enfin ça a l'air hein, parce que c'est bizarre non? Il y a une bombe. Mais c'est super. Ah non c'est pas super. Donc faut avoir un truc comme ça. Mais non, faut pas avoir un truc comme ça. Ça a aucun intérêt. Avoir un truc comme ça. Ah si, peut-être comme ça. Oh je sais pas, débrouille-toi le jeu, essaye de jouer sans moi quoi. Moi je vais jouer comme dans les jeux modernes, là, les AAA, là où les jeux ils jouent tout seuls. Ah. Peut-être pas ce qu'il fallait faire. Voyons voir, hein. Testons, on verra bien. Hein. Je teste des trucs. Hein. Oh, oh. Faudrait ajuster ça là. Vas-y. Hein. Tente l'ajustement. Je pense avoir la. Vas-y, fais péter Fox. C'est que ça se lève. Là, ici, ça se lève, donc il faut appuyer le bouton juste après. Ça se lève. Bah vas-y. Vends-nous du rêve. Rends-nous du rêve, Fox. Bien vu. Ah ouais, taxi driver. Bien vu. Ah, il a laissé le lapin bleu. Juste. Gravité inversée. Ouais, c'est pour toi de toute façon, c'est ton niveau. Quelqu'un a frappé? Oups, j'ai oublié d'ouvrir la porte de l'entrée principale pour que l'équipe de maintenant puisse rentrer. Vite, appuyez sur le bouton pour ouvrir la porte. Comment ça, vous pensez que ce n'est pas le bon bouton? Évidemment que si. Alors, on a une gravité normale et ça, ça permet de mettre la gravité vers le... Enfin, de mettre la gravité vers le haut. Donc, la gravité est normalement vers le bas. On inverse la gravité. On inverse la gravité. Avec un petit ballon. Chou! Ah alors, oui, mais genre ça. Oui, d'accord, c'est vraiment vénère, genre système d'inversion déterminé quoi. C'est ah, ça. D'accord. Alors si je mets un baril ici. Je mets un baril là. Ça va caser tout ça. Hop là. Quelques dominos là où il manque des trucs. Ouais, mais c'est un peu difficile de le faire directement. Oh, regarde, il y a des dominos qui se barrent déjà en couille en fait. Ah non. C'est l'objectif. Faut pas les mettre en haut, faut les mettre en bas. Ah ouais, pour que ça scale direct. Eh oui, monsieur. Eh oui, oui. Bah voilà. Comme ça, hop, ça tombe. Et tombe. Oh, il y avait un gros bordel. Il y avait un gros bordel là-dedans. Et le mec, il a vidé toutes ses ordures. Incroyable. Et si on fait objectif et gravité? Objectif de gravité. Objectif de gravité, vas-y. C'est parti. Marqué dans l'espace est une expérience tout à fait inédite. Changer la gravité pour déplacer la balle jaune à travers ce grand cerceau pour marquer. D'accord. Ok. C'est à ton tour. Et le but c'est de changer la gravité pour déplacer la balle jaune à travers ce grand cerceau. C'est quoi? C'est celui-là pour inverser la gravité? Ah non, celui-là va retirer la gravité. Grosse technique. On va passer en mode un apesanteur quoi. Ce qui va me poser quelques problèmes puisque toi je te branche où déjà à commencer par ça une prise je vois pas de prise comme ça moi non plus ça c'est trop bas moi non plus mais vas-y je te l'ai cherché hein. Je travaille pendant ce temps là. Ah, après je me suis peut-être embrouillé un petit peu pour rien avec ma fusée. Ah mais non, ça marche pas avec une prise. Hein. T'es sûr? Voilà.
Ça marche mon truc, hein. Ils font les manettes. Ok. Une deuxième patate de four en là. Est-ce que tu penses que ça va passer? Ah si, ça marche. Donc, avec une prise. Ça l'active, ça. Ouais. On est bien d'accord que ça va l'activer. Ça marche avec une prise, effectivement. Bah oui, c'est ça, donc... Je sais pas trop c'est quoi leur histoire de délirante, mais... Je sais que ça, déjà, ça va... Ah bah la prise est ça, là. Attends, ça... Elle est là, elle est là. Elle est là. Vas-y, je te laisse brancher, parce que je vois pas ta main, vas-y. Elle est là. Ah oui, putain. Et en fait, cet émetteur radio va activer cette prise radio. D'accord. Et donc, on aura la gravité. Oui. Hmm. Attends, je vais mettre ça là. Ça a l'air rigolo de faire ça ici. Allons-y. Wouhou ! Je suis un champion ou pas ? Champion du monde. Allez, vas-y, Paris, hein. Paris, c'est quand vous voulez, hein. C'est à toi. Hein. Nous étions au fusée de détresse, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Je viens d'inventer un tout nouveau type de fusée spécialement conçu pour les Club Sequels. Elle est alimentée par un dispositif de nettoyage hyper moderne, évacuer un vol de test à travers la porte. Vas-y. Faut évacuer à... Oula, t'as tes petits boutons et tout là. Oula, c'est parti en mode radio. Faites passer la porte à la fusée spatiale. Quoi ? Faut faire passer ça là-haut. Tout ce qui est à droite, faut le faire passer là-haut. Tout à fait. Ok. On va voir ce qui se passe. Ça boum. Un coup de canon. Boum. Ça envoie une fusée. La fusée disparaît parce qu'il n'y a rien pour la renvoyer. C'est tout, ok. Flipper plastique, bah, je pense que là je vais appuyer sur ce bouton. Mais je sais pas si c'est, ça appuie le non, bouton. Non. Non, non, il faut que tu mettes la télécommande orange puisqu'il a un boîtier de réception orange. Ah, c'est orange. Un boîtier de réception. Je le mets là. Ensuite, ça va activer ça, ça active ça, et là, ça va partir n'importe où. D'accord. Exactement. Ça a bien l'air de vouloir partir n'importe où. Avec des charges explosives partout, hein, je tiens à le préciser. Voilà. Oui. Là, je pense qu'il faut que tu remettes un bouton, visiblement. Si je mets le violet, ça va faire exploser le truc en bas à gauche. La dynamite en bas à gauche. Et quand ça explose ça, on va voir ce que ça donne. Ah, faut que je mette une boule. J'imagine qu'il faut que je mette une boule de flipper. Comme ça, quand ça. Exactement. Quand ça explose, ça. Pour aller taper dans l'autre machin. Et ça, ça va activer le blanc. Active le blanc, mais il est où le blanc? Je sais pas. Déjà ça. On va le brancher. Ah, là, voilà. Ok. Excellent. Excellent. Le blanc active le blanc. Mais le blanc, là, il est où le récepteur blanc? Je sais pas. Récepteur blanc. Bah, si, il est sur la fusée tout en haut. Ici là, je sais pas si toi tu vois mon curseur. Ouais, je vois ton curseur. Ah oui, d'accord. Okay, donc ça active cette fusée qui va activer mon émetteur bleu. Mon récepteur bleu, c'est un récepteur. Ah non, c'est un émetteur. Ça va faire exploser une boulette et dans le doute. Ouais, dans le doute, on met ça, ouais. Voilà. Ça c'est fait. Et là. Explosion. Explosion. Oui. Easy peasy lemon squeezy, comme on dit. C'était simple. Easy. Et efficace. Chute inversée pour toi. Oh, ça sent la prise de tête, hein. Allez, c'est parti. Vous savez quoi? Vous allez devoir faire traverser la porte à la fusée jaune. Oui, oui, vous avez bien compris. Et la fusée jaune dans la porte bleue. Voilà. Logique de jeu vidéo. Là, il se passe des trucs inintéressants au possible. On a une baballe qui tombe. On a un explosif qu'il faut raccorder à un courant électrique. D'accord. On peut par exemple tout à fait se faire un truc comme ça. Oui. Enfin, bouger. Enfin, Zouk fait quelque chose. Ah, tu me saoules déjà. Voilà. Et tout à fait se mettre genre un truc comme ça si vraiment on est taquin. Voilà, si vraiment on est taquin, on peut se faire un truc comme ça. Ce qui va faire exploser cette baballe. Cette baballe qui va partir vers l'au-delà, genre par là. Qui va activer ce truc violet.
sur laquelle il va falloir que je mette une fusée violette qui va activer ensuite le point jaune. Jaune qui va activer jaune, jaune qui va passer par là. Ça me paraît trop simple, il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il manque ? Ouais. Qu'est-ce que j'ai pas capté ? Ah, bah voilà, ce que t'as pas capté, c'est que la trajectoire de la balle n'est pas la bonne. La boule de flipper. D'accord, ok. Parce qu'il y a de la gravité, donc il faut désactiver la gravité qui est en bas à droite. Ou alors je joue l'arnaque. Ou alors tu joues l'arnaque. La presque arnaque. Bon, l'arnaque ça marche pas. L'arnaque ça marche pas. Ou alors je joue la très grosse arnaque. L'arnaque maximale. Allez! Comment ça, ça l'a pas activé? Alors ça, c'est vache. Ça, monsieur, c'est vache. Et c'est vache de Stampy. Voilà. Voilà, Joseph. Voilà. Voilà, t'as pas utilisé un objet, je crois. Tout en arnaque. Ouais, j'ai passé tout le truc du pneu et du de la gravité. On s'en tout dans l'arnaque. Je vous ai offert un jeu certifié en arnaque. Oui, parce qu'en fait, je pense que la vraie solution, c'était de mettre lui là, en fait, avec lui comme ça, genre, ou un truc comme ça, à pousser tout ce bazar, j'en sais rien, mais on s'en fout, je l'ai eu. C'est allez, ça. Suivant. Ah, ça a l'air d'être un jetpack, monsieur. Un jetpack pour Clemcy. Clemcy est prête à s'envoler. Il a vraiment hâte de partir explorer le Clemcy vert. Le jetpack a besoin d'un signal radio pour décoller. Ah, on va encore s'amuser avec les radios. C'est ça. Ah, t'as de la TNT, un canon. Pourquoi c'est toi qui as le droit de t'amuser? Ouais. C'est l'autre, il a tout arnaqué tout à l'heure. Ouais, oh, y'a que toi qui as le droit de jouer. Bon, je pense que déjà t'as des tuyaux que tu peux placer sans problème. Ton double tuyau. Yes. Pas se mentir, ça a l'air d'être ça. Alors, on va voir comment ça. Ça marche. Un violet. Ah, déjà, c'est en apesanteur. Alors. On est bien d'accord, c'est en apesanteur là. Oui, sinon la balle tomberait. J'ai pas vu, mais oui, c'est tout à fait le cas. Alors. Ah, alors, est-ce qu'il faudrait pas que tu manges la TNT ou vert? Ah, mais non, ça changera rien. C'est quoi ça? Une bascule. D'accord. Bah, je vais mettre tout de suite la boulette canon, hein. Ah, bah ouais, hein. Direct, hein. On va pas chercher midi à 14h. Comme ça, on va avoir une force de frappe. C'est plus. Ah, okay. Je pense qu'il faut que tu rajoutes un deuxième. Hein. Ou une bascule. Deuxième sort. Je pense ça que ça ira. Je et pense ça, c'est que une bombe. Tu es bon pour accorder ta TNT en dessous. C'est une bombe qui se raccorde ici, je crois. Non, il faut bien que tu la mettes juste au-dessus du ballon de basket. Vraiment bien au-dessus du ballon de basket, parce qu'il faut que tu la pousses à peu près droit. Et là, ça va activer la pesanteur. Exactement. Qui va faire tomber le ballon, qui va appuyer sur ce bouton. Et le récepteur, c'est quoi? C'est ça? Ah bah oui, bah c'est signal radio. Le récepteur, c'est violet, hein. C'est déjà violet, le signal radio, ouais. Allez, et on a arnaqué une pièce au jeu. Et on est trop fort. Attends, on n'a pas encore fini. Ah bah non, bah... il y a le truc qui pousse dans le vent, donc forcément, ça pousse quelque part. Ah bah oui. On a rien arnaqué au jeu, je suis triste. C'est ça. Je pense que ta planche, elle est trop haute. Elle est trop haute. Elle est trop haute. Yes, c'est mieux. Youhou. C'était rapide, mais si vous voulez le voir plus lentement... Tout en going tout face, vous vous mettez en ralenti sur YouTube. C'est le moment d'exploiter cet élément que personne n'utilise jamais. Le ralenti. Allez, Paris, c'est quand on veut. Vas-y. Sélection de chapitre. Gravité zéro radio. Carburant supplémentaire. Pour balancer les fusées toujours plus loin. D'après le nouveau calcul, il semble que le carburant n'était pas suffisant pour atteindre le système solaire suivant. Vous feriez mieux de mettre un autre bidon dans le propulseur avec... c'est du matériel de pointe. Oui, un tonneau. C'est un matériel de pointe. Un bon gros tonneau de ses morts, c'est vraiment. Qu'est-ce qui se passe là en fait si j'appuie sur un truc? Il y a un truc qui tombe, ça c'est bon signe. Ça c'est bien, il y a un truc qui tombe. On va pouvoir inverser la gravité à un moment donné. D'accord, ce qui est très intéressant. Moi j'aurais dit tout simplement une petite patate de four hein, là, mais je pense que c'est déjà trop exotique pour les gens. Je pense que le monde n'est pas prêt à entendre une. Oh, quoique. Non, le monde sera pas prêt pour ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. Comment je vais la déplacer cette boulette? Ah, parce que attends, moi je veux absolument la déplacer de ce côté-là, mais en fait. Je vais te déplacer comme ça par exemple.
exemple, je peux faire ça. C'est plus. T'actives le vert. Ah, mais le vert, c'est moi qui décide le vert. D'accord. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai, je me concentre. Hein. On y est bientôt. On y est à fond. Ah, attendez. Il y a un petit astuce là. Parce que visiblement, il y a un truc qui va vouloir sortir de là. Ah. Interesting. C'est parti. On se passe ça un peu pour voir. C'est bleu. Ouf. Paf. Oula. Oula, c'est le bordel. J'ai tout cassé. Au secours. Pas que j'ai tout foutu. Alors, attends, parce que j'ai activé le truc. Du coup, mon baril s'est barré. Ah ouais, tout se barre, quoi. Ah oui, attends. Parce que mon carburant, il est là. Bon, eh bien, d'accord. C'est vraiment l'idée du projet initial. Mais je vois pas trop l'intérêt de ce truc là. Parce qu'en vrai, ah, il y a un ballon de basket en bas à droite. Ouais. Le jeu, c'est où est Charlie quoi. Il y a un ballon de basket ou en bas. Je suis d'accord avec toi, mais. Je suis d'accord. Oh, par contre, ça, le truc qui s'emboîte juste pas, ça m'en fout. Donc il faut tout simplement que le. Alors c'est le violet. Il faut activer le violet. Que le bouton violet, là, l'émetteur violet s'active, mais je crois qu'on peut pas l'activer n'importe comment. Je pense qu'il va falloir même l'activer en premier. Ouais, mais en fait, c'est le problème, c'est que c'est débilos, parce que il faut que j'active le violet ici pour envoyer un ballon sur la tablette violette. Donc il y a un truc qui manque. Non, c'est pas pour envoyer ça. Non, il manque un élément de logique, je pense. I think. But je suis pas sûr. Ça va là. Là, il n'y a pas à discuter, ça va ici. Oh, ça m'énerve. Attends, j'ai presque un plan de l'arnaque parfait. Attends, est-ce que j'arnaque le jeu? Attends, c'est parti. Est-ce que t'es prêt pour une arnaque incroyable? Vas-y. Est-ce que t'es très fan des arnaques d'un Knarfang? Ouais. Allez. Après, ah, il a pas bougé. Ouais. Je peux le faire bouger, je sens que, voilà. Ouais, exact. L'arnaque jusqu'au bout. Ah merde, du coup il est parti en vacances. Dommage. C'est un domino qui a pris sa place. Alors attends, en fait faut faire l'inverse. Regarde l'arnaque jusqu'au bout. Avec Moldave au fond du fun. Ah non, mais là jamais passera ma fusée. Ah dommage, l'arnaque était presque belle. Ça valait le coup. Mais ça sera arrêté par ça, non? Ouais, c'est arrêté par ça. Oh, j'ai peut-être une arnaque, attends, fais voir. Vas-y. Fais-nous une escroquerie. Ouais, ah oui, tu le maintiens, bah oui. Le maintiens, ouais, j'essaie. Il est complètement intelligent, bah oui. Mais il veut pas. Il veut pas que ça. Ah, il considère que c'est en collision directe. C'est en collision avec la flèche, en fait. Ah, les salons. Ah, tu peux juste pas du tout. Ouais, t'as pas le droit d'arnaquer. Le jeu a vu l'arnaque. Il a dit non, vous m'arnaquerez pas. Attends. Non. Et comment t'as appuyé sur ce truc là? Avec le ballon rouge. Yes. Aha. L'arnaque. Ouais. L'arnaque. Bien joué. Les escrocs. On n'a jamais activé le violet. On est passé à côté d'un élément de gameplay. C'était magnifique. C'est ça. C'est le... Comment on appelle ça dans un jeu vidéo déjà? Un clutch. Non, je m'en rappelle. Je sais pas, un truc. Flunch, allez, un flunch, on va dire. Un flunch, ah oui, parce que le placement de produit gratuit, bien sûr. Inversion de gravité dunk. Alors, si vous allez au flunch, vous pouvez utiliser le mot de passe Knarfang et Fox Die, et vous aurez un supplément de facture de 20%. Voilà. Ouais, qui vont directement dans notre poche, d'ailleurs. Non, en fait, pas du tout. Mais. Peut-être que le dunk, c'est votre truc sur Terre, mais dans l'espace, vous aurez besoin de beaucoup plus que des muscles. C'est parti, je vais m'allonger et profiter du spectacle. Vas-y, Fox, c'est pour toi. Bah, c'est facile. Alors, la boule. Bon courage. La boule rouge, elle va aller où? C'est une histoire de boulette. La boule rouge, elle va aller là. Et maintenant, faut qu'elle aille à droite. Donc là, on va faire en sorte que l'émetteur bleu... voilà, tu vas à droite. Voir ce que ça va faire maintenant avec une petite avance rapide parce que sinon ça va faire chier. Hop, ça fait à droite, droite, droite.
Et là, il faut activer le orange. Le rouge, le vers le haut. Hypothétiquement parlant, je dirais que oui. Allez, on est ballon. C'est parti. Le mec est en train de faire speedrun. C'est parti. Et le violet pour aller à droite. Non, le vert d'abord. Le vert, C'est le vert, oui. C'est un vert là-haut. Droite. On tourne à droite. C'est donc le violet et en bas. Tu peux brancher le violet vers le bas. C'est parfait. Vends-nous du rêve. Incroyable. Paf. Les grands instants de gaming. Youhou! C'est complètement fou. C'est complètement fou. Eh, hey, on a tout cassé là. Allez, les bisous YouTube. Bye bye. À la prochaine. Bisous.